payant. Eh oui, Gaston, ça n'a pas tellement changé. Et je me demande même si ça n'a pas empiré. Tous les peineux sont plus peineux qu'avant. Quand on rue pas, c'est pire que le chien d'or. Voilà. C'est pas une langue. Tu dis pas toi bosseron. Ouais. Donc on comprend non, rien. C'est du vieux français. On comprend rien. C'est du vieux français. Parce que Gaston Couté, comme vous pouvez le constater, il est bosseron. Il paraît que la Toinon, qui est partie comme bonne, pour aller se revivre chez des gens de Paris, s'appelle à présent Mame la baronne. Oui, je suis resté tout seul dans le pays. Par les nuits de poids et d'angoisse, quand on rentre le carnier plein, couché auprès de sa Françoise, le garde au châtelain. Ce chien vendu qui fait sa ronde vous happe dans le noir. J'ai la Françoise qui est blonde, faut pas voir tout en noir. Lors même le jour devient sombre. La porte! Eh ben ils veulent pas me l'ouvrir la porte! Qu'est-ce que j'aurais fait qu'ils veulent pas que je sorte? Hé le Christ! Entends-tu mes boyaux chanter la chanson des moineaux qui demande à picorer quelque chose? Hé le Christ! Entends-tu que je te cause? Et que je te dis que j'ai une faim de voleux? Vous allez voir qu'avec Gaston Couté, la mort c'est pas triste. Et là-bas tandis que je m'esquinte à racler l'arbre autour des sas, que je suis, que j'aime, que je souffre, que je quinte. N'ayant que ses bras pour fortune, la fille celle du patron, un gros fermier de la commune. Il s'aimait tout de tant et plus. Écoutez ça, les braves gens. Petit le cœur et gros d'argent. Écoutez ça, il s'aimait tant et plus. L'amour, ça se fout des écus. Alors qu'est-ce qu'on va foutre là-bas? C'est-il pas vrai? C'est-il pas vrai? Alors qu'est-ce qu'on va foutre là-bas? C'est-il pas vrai? Quand il y a eu l'accident à Lagan en 1922, c'était des compagnies régionales, tu n'as aucune culture. Tu es au courant de ça, de l'accident à Lagan en 1922? En 1922, il y a eu 30 morts, c'était la compagnie du Sud-Ouest. C'est pas SNCF. Bon, allez, continue. Bon, allez, on braille. Merci Macron. Les électeurs s'en vont aux urnes en s'écriant fièrement. En route! Allons voter! Ah bon Dieu, les bonnes gens, les vaches, les moutons, les oies, les dindons, pâturent dans des chaumes d'orge à belles goulées tranquilles, sans même songer qu'ils sont privés de leurs droits civiques. Moi je sale aussi mon âme, me voilà chez nous. Ans, il va mourir à l'hôpital de la Riboisière à Paris d'une phtisie galopante. Et tout en allant, il dégoise des
des sottises aux gens qu'ils croient. Ce qui dit, c'est...